Le bandeau Muse S de Neurofeedback vous aidera-t-il à mieux méditer? J'ai testé Muse S pendant plusieurs semaines et voici mon avis. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation et aujourd'hui, je vais vous parler du bandeau Muse S, le successeur du Muse 2, un assistant personnel donnant un feedback en temps réel sur la pratique de la méditation. Alors le Muse 2 a déjà remporté de nombreux prix par le passé, alors qu'apporte réellement le Muse S? Comment ça fonctionne? Quelles sont les nouveautés, les avantages et les inconvénients? On va voir tout ça ensemble, point par point, en détail dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux, Telegram, Facebook, Instagram ou encore sur le site web Gaïa Méditation où on partage encore plus de contenu sur le développement personnel, spirituel et sur l'éveil des consciences de manière générale. Revenons au bandeau Muse S, est-il vraiment efficace? Une étude effectuée à l'Université catholique de Milan a montré qu'après 4 semaines d'utilisation de Muse, les participants ont amélioré leur performance mentale et en même temps diminué leur niveau de stress, comparé bien sûr au groupe témoin qui ne l'avait pas utilisé. D'autres études ont confirmé la même chose. J'ai donc décidé d'en faire moi-même l'expérience pour partager mes impressions après quelques semaines d'utilisation. Le Muse S est fait de deux modules, le bandeau en lui-même et un petit pod d'alimentation avec notamment le petit capteur du rythme cardiaque qui va venir se fixer de manière aimantée, c'est très facile. Ce bandeau marche en tandem avec une application, l'application gratuite Muse pour le suivi des méditations et du sommeil. Elle est disponible en français, en anglais, en allemand et en espagnol. On verra tout à l'heure qu'elle offre des graphiques personnalisés pour chacune des sessions. Revenons au bandeau. Alors le fabricant a repris le design original de son produit phare, le Muse 2, et l'a en quelque sorte mis à niveau en offrant un profil que je trouve personnellement plus élégant et plus discret. Et surtout, Muse S offre de tout nouveaux capteurs comme vous pouvez le voir à l'écran. Avec de nouvelles options de feedback, il offre un plus large éventail d'outils dans la pratique de pleine conscience ainsi qu'une base solide pour toute personne souhaitant se mettre à la méditation. Les utilisateurs vont en effet pouvoir explorer leur respiration, les mouvements du corps via les mouvements de la tête, l'évolution du rythme cardiaque en temps réel, ce qui donne un bel aperçu de la pratique. En dehors de l'aspect fabrication, le Muse S se démarque vraiment du Muse 2 par l'ajout de nouvelles fonctionnalités, notamment l'accès à la section sommeil de l'application Muse, une section donc où on va retrouver différentes ambiances sonores, on va retrouver des relaxations guidées et aussi on va pouvoir utiliser un audio de notre bibliothèque de médias ou encore de notre application de méditation favorite. Alors ces expériences sonores vont vraiment vous aider à vous préparer pour un sommeil récupérateur. Vous retrouverez toutes les données de votre sommeil le lendemain matin. Avec toutes ces données, vous allez pouvoir voir si vous avez bien dormi ou non et vous pourrez aussi identifier les moments où vous avez eu un sommeil perturbé. Vous pourrez donc observer les différentes phases liées aux différents cycles du sommeil, les cycles circadiens, et vous allez pouvoir étudier l'intensité du sommeil lent et profond, le sommeil récupérateur, les différentes positions du sommeil et l'évolution du rythme cardiaque tout au long de la nuit pour pouvoir mieux comprendre comment ajuster les nuits suivantes, comment améliorer votre sommeil de manière générale. Parlons un petit peu de l'autonomie. Le Muse S a une batterie qui tient beaucoup plus longtemps que la version précédente, environ 10 heures, tout en ayant une qualité de signal améliorée. Niveau confort maintenant, vous vous demandez certainement s'il est ajustable sur toutes les têtes. Alors le tissu lui-même est assez extensible et vous allez pouvoir aussi l'ajuster très facilement en fonction de la taille de votre tête. Le tissu est antibactérien et la finition est douce au toucher, ce qui est très appréciable. Il est aussi très respirant. Heureusement, n'oublions pas qu'il a été conçu pour être porté toute la nuit. Comme vous pouvez le voir, il est peu encombrant, peu volumineux, donc vous allez pouvoir l'emmener facilement en voyage si vous le souhaitez. Dans le cadre d'une vie saine, je pense qu'on n'a plus à démontrer qu'une pratique régulière de la méditation apporte de nombreux bienfaits sur le bien-être en général, la performance mentale, mais aussi la gestion du stress. Alors je médite très régulièrement et je me suis posé objectivement la question de l'apport réel de ce bandeau de neurofeedback. Tout d'abord, pour une personne qui débute dans la méditation, je dois admettre que ça rend la pratique ludique et amusante et ça facilite aussi la mise en place d'un cadre serein pour une pratique régulière avec notamment des rappels configurables. Le bandeau va mesurer la capacité à rester concentré durant la méditation et par une adaptation de l'environnement sonore, il va nous aider pour ne pas nous laisser distraire par nos pensées et pour maintenir un esprit calme et apaisé.
Alors une fois dans la section méditer, je vais avoir accès à différentes fonctionnalités. Je vais avoir le choix entre une méditation mentale, une méditation de cœur où on va travailler sur le rythme cardiaque, la méditation du corps où on va travailler sur notre posture pendant la méditation avec notamment les différentes oscillations du corps et de la tête, méditation de la respiration où on va retrouver les exercices de respiration carrée, la cohérence cardiaque. On va retrouver aussi différents cours en fonction de si on a l'abonnement ou pas. Ça, je en parlerai en détail plus tard. Ensuite, on va aussi pouvoir méditer librement. Et donc, pour notre exemple, je vais prendre par exemple une méditation mentale, méditation de l'esprit. Je vais choisir la durée de 15 minutes. Voilà, vous voyez que vous pouvez l'ajuster très facilement. Voilà, je repasse à 15 minutes. Ensuite, on va choisir notre ambiance sonore. Alors, il y en a différentes. Alors, je suis pas fan de toutes les ambiances sonores. Il y en a certaines qui sont un peu trop fortes, selon moi, mais voilà, on va choisir par exemple ici l'océan, donc le bruit des vagues. On va avoir derrière le choix de différents exercices et on va ensuite démarrer la session avec le bandeau sur la tête. On va donc vérifier la qualité du signal. Vous voyez ici donc les capteurs qui se mettent en marche. Une fois la séance démarrée, le bruit du va-et-vient des vagues va s'adapter à mon état mental. Plus mon esprit est agité, plus j'entends les vagues et plus je me calme, plus le bruit des vagues diminue. À la fin de la méditation, on va retrouver différentes données, différentes statistiques, le temps passé dans l'état actif, neutre et calme. On va retrouver également des statistiques comme les points muses, les rétablissements et les oiseaux. Les points muses, en gros, 1 point par seconde passé dans un état neutre et 3 points par seconde passé dans un état calme. Les rétablissements sont les passages de l'état actif à l'état neutre. Ça représente un effort entrepris pour remarquer les différentes distractions et ça va développer l'attention. Et enfin, les oiseaux qu'on va entendre à gauche ou à droite, des oiseaux qui vont se poser tout près de nous après une période prolongée de calme. On a enfin des badges attribués, prix Birds of Eden par exemple, prix Clarté, félicitations, vous avez passé plus de 5 minutes en état d'esprit de calme, 5 minutes sur 10 minutes méditatives. Et on retrouve un journal. Alors, j'ai rien écrit lors de cette session, mais on peut marquer nos différents ressentis lors de cette pratique. Un méditant plus expérimenté va lui aussi pouvoir y trouver son compte, notamment via les méditations du cœur avec différents exercices pour pouvoir influencer le rythme cardiaque, le ralentir par exemple. On va pouvoir travailler, comme je le disais, sur la posture, perfectionner notre posture lors de la méditation, faire les exercices qui sont valables pour tout le monde, de cohérence cardiaque, de respiration carrée. Et enfin, même un pratiquant plus expérimenté qui a envie de pratiquer sur différents thèmes des méditations guidées va pouvoir le faire. Le bandeau Muse S va vous permettre d'explorer de nombreux paramètres concernant votre pratique, comme l'activité mentale, les mouvements du corps, l'évolution du rythme cardiaque, l'impact du travail respiratoire sur la cohérence entre tous ces éléments, et on peut travailler le focus, la concentration avec la cohérence cardiaque, la relaxation avec des expirations plus longues, et enfin la libération du stress avec la respiration carrée pour ceux qui connaissent. Enfin, la grande nouveauté qu'offre le bandeau Muse S, c'est le suivi du sommeil avec l'enregistrement de l'activité cérébrale, du rythme cardiaque et des mouvements du corps grâce à l'accéléromètre et le gyroscope dont il est équipé. J'ai aussi été très curieux de tester Muse S la nuit et de comparer les suivis de sommeil d'une nuit à une autre en fonction des heures de coucher, des heures du dernier repas pris la veille, etc. De mon côté, j'utiliserai davantage le bandeau Muse S pour des sessions relativement courtes, de pleine conscience par exemple, car je trouve que ça s'y prête parfaitement. Niveau capteur, il y a 5 capteurs d'électroencéphalographie qui vont mesurer les moindres fluctuations électriques dans notre tête au contact de la peau. Ils vont permettre notamment de mieux analyser les changements d'état cérébraux en réponse aux stimuli externes auxquels on est confronté lorsque l'on médite. Une voiture qui passe, des gens qui parlent dans la rue, un avion qui passe. Et d'autres capteurs vont mesurer le rythme cardiaque, les mouvements de la tête, l'influx sanguin et la respiration. Dans la notice, Muse recommande l'utilisation du bandeau à partir de l'âge de 16 ans. Et Muse affirme l'avoir testé et certifie que le bandeau est en accord avec des standards, les standards américains, canadiens et européens en termes de sécurité. Alors de mon côté, j'ai rien remarqué de mauvais sur mon état de santé, j'ai pas rencontré de maux de tête quelconque. Sinon, vous vous demandez certainement s'il est possible d'utiliser Muse S en gardant les yeux ouverts. Alors Muse recommande de l'utiliser en gardant les yeux fermés pour de meilleurs résultats.
Mon avis global dans tout ça, c'est que le bandeau Muse S est confortable. On oublie vite qu'on le porte sur la tête, il est très confortable. J'ai aimé le fait que la batterie tienne plus longtemps que la version précédente. C'est selon moi un bon outil pour les personnes qui ressentent encore le besoin d'être accompagnées pour méditer, les personnes qui privilégient aussi les méditations guidées, et on peut voir Muse S de manière générale comme un accompagnant. Je dois avouer que j'ai été séduit par l'approche, et bien que j'ai pas besoin de Muse S pour méditer au quotidien, ça m'a permis en effet de me familiariser toujours un peu plus avec mon rythme cardiaque, lors des sessions de méditation du cœur par exemple, des sessions où j'ai pu vraiment travailler le rythme de mon cœur à ma guise, en fonction de la respiration par exemple. J'ai pu aussi travailler ma posture en méditation, la perfectionner, prendre plus conscience des différentes oscillations liées à la respiration pendant la méditation. Et j'ai pu aussi tester de nombreuses méditations, des méditations en anglais que vous offre l'abonnement, un abonnement optionnel d'une vingtaine d'euros à l'année au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas du tout si Muse a l'intention ou pas de modifier le prix par la suite. Cet abonnement va donner accès à plus de 500 méditations guidées et des cours donnés par des enseignants de renommée internationale, ce qui est quand même pas mal. Au niveau des cours, il y en a pour les débutants et pour les plus expérimentés. Pour approfondir par exemple votre pratique méditative, hein, vous voyez ici, c'est classé par chapitre. Vous allez avoir la durée des sessions, ce qui est pratique aussi quand vous avez peu de temps devant vous, vous allez pouvoir choisir vraiment le cours de votre choix. Vous allez retrouver donc dans les collections de méditation guidée différentes thématiques, hein, c'est classé par thématique. Ça va du calme, la résilience, les habitudes alimentaires, le bonheur, la joie, la motivation, la confiance en soi, la créativité, la gratitude, etc. Par exemple, quand on choisit la gratitude, vous allez voir que c'est classé donc par enseignant. Il y a plusieurs enseignants. Vous allez pouvoir derrière télécharger la méditation de votre choix. Ça va vous permettre en effet d'effectuer cette méditation hors ligne, par exemple si vous êtes dans un avion et que vous n'avez pas de réseau. Cet abonnement va vous donner accès aussi à différentes relaxations guidées dans la partie sommeil, dans la section sommeil pour vous endormir, donc des exercices respiratoires ou encore des exercices de visualisation. Cet abonnement va vous permettre d'associer l'application Muse à votre application de musique favorite, application de podcast ou encore de méditation. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, cet abonnement ne donne accès pour l'instant qu'à des méditations en anglais, donc c'est avantageux que pour ceux qui comprennent l'anglais. Du moins pour le moment, je ne sais pas si Muse a prévu par la suite de mettre des méditations dans différentes langues, j'imagine que oui. Alors je regrette tout de même de ne pas avoir la possibilité de voir le détail des ondes cérébrales classiques, bêta, alpha, theta, etc. Mais je suis bien conscient qu'il faut mettre plus du double de prix de manière générale pour avoir des casques qui le font et qui offrent de toute façon pas les mêmes services et fonctionnalités. Hein, l'approche est de toute façon différente et l'orientée plutôt grand public. Le suivi nocturne est intéressant, mais comme je dors bien de manière générale, j'ai pas beaucoup de choses à comparer. Alors je pense que pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour s'endormir, les relaxations guidées ou encore les ambiances sonores nocturnes vont être efficaces et apporter beaucoup plus que dans mon cas personnel. Il faut selon moi faire attention tout de même à ne pas chercher constamment un score optimal et rester dans un certain lâcher prise. Il faut pas être dépendant de cette technologie. Et est-ce vraiment utile pour vous? Alors chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents et c'est certes pas indispensable, mais son apport n'est pas non plus négligeable. Pour les personnes intéressées, vous pouvez retrouver le casque Muse S en cliquant sur la fiche qui s'affiche à l'écran ou encore sur le lien dans la description de la vidéo. Vous retrouverez également le casque Muse S sur le site gaiameditation.com dans la rubrique high-tech avec tous les autres produits. Je serais curieux de savoir si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer le Muse 2, le Muse S ou tout autre appareil de mesure de neurofeedback. Alors n'hésitez pas à me faire un commentaire sous la vidéo pour me faire un retour. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et rejoindre nos différentes pages si ce n'est pas déjà fait pour plus de partage encore. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.